Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous verrons ensemble l'aménagement d'un cabinet dentaire. Nous commencerons par quelques diapositives introductives que vous pouvez télécharger à partir du lien que vous trouverez dans la description jusqu'à la réalisation d'une modélisation 3D avec un logiciel BIM. De plus, je vous rappelle que vous pouvez écrire dans les commentaires des questions ou des suggestions pour de nouveaux sujets que vous aimeriez voir dans nos prochains focus. Je vous suggère aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être toujours informé. Commençons. Pour l'aménagement d'un cabinet dentaire, il faut prévoir une ou plusieurs salles de soins, des espaces pour les activités administratives, une salle d'attente, des toilettes séparées pour les patients et pour le personnel, un espace de stockage pour les déchets. Pour tous les choix de distribution, il est toujours conseillé de séparer les espaces publics de la zone des soins, prévoir deux entrées distinctes pour les patients et les médecins. Positionner la réception à l'entrée à un endroit stratégique entre la zone non clinique et la salle des soins. Prévoir une grande salle d'attente lumineuse. Disposer les toilettes proches de la zone d'attente. Organiser les salles ambulatoires en fonction des exigences. Prévoir un vestiaire, des toilettes privées pour les opérateurs et une salle de pour le personnel. Prédisposer un local technique pour les équipements technologiques. Pour les solutions technologiques, il est nécessaire de prévoir l'installation sanitaire, d'osmotique, d'aspiration, d'air comprimé, d'électricité et de connexion des données au réseau interne. Des espaces pour la stérilisation adaptés pour les équipements, osmose, autoclave, évier, réfrigérateur, etc. Des locaux ou espaces avec une protection contre les rayons X, un système d'éclairage qui assure le confort et contribue à réduire la consommation d'énergie, des lumières froides pour les sources lumineuses à LED dans les environnements médicaux et des lumières chaudes dans les espaces d'attente de distribution. Des systèmes d'isolation acoustique, la diffusion sonore dans toutes les pièces pour une musique de fond et une vidéo dans la salle d'attente si désiré. Des matériaux résistants et faciles à nettoyer et antidérapants. Avant de commencer la conception, le concepteur doit analyser l'organigramme de la structure médicale, le type d'utilisateur et les activités médico-chirurgicales prévues. Connaître l'histoire professionnelle et les compétences du personnel médical afin de pouvoir identifier les questions à communiquer. Étudier le type d'activité exercée, les habitudes, les parcours, les flux et les déplacements entre les patients et les opérateurs. Identifier tous les besoins fonctionnels. Voyons maintenant une conception réalisée avec Edificius, le logiciel BIM pour la conception architecturale. Avec l'objet enveloppe verticale, nous dessinons les murs périphériques du bâtiment et les cloisons intérieures. Nous ajoutons les fenêtres et en même temps toutes les portes en modifiant les dimensions et la géométrie à partir des propriétés. Depuis la vue 3D, nous visualisons la modélisation dans son intégralité pour vérifier nos choix de conception. Avec l'objet mur-rideau, nous traçons le contour du patio intérieur. Les opérations peuvent être réalisées aussi bien en plan qu'avec la vue 3D selon nos besoins. Dans la bibliothèque, nous choisissons le modèle que nous considérons la plus appropriée au style de la conception. Nous ajoutons des détails à la maquette en affectant les matériaux à toutes les surfaces. Pour le corridor, nous avons choisi un matériau polymère aux teintes sombres et nous l'avons attribué au mur du corridor et de la salle d'attente. Pour la réception, nous choisissons une pierre calcaire que nous sélectionnons directement dans la riche bibliothèque d'Edificius. Nous ajoutons également des panneaux le long des murs. Nous saisissons les valeurs de la géométrie dans les fenêtres des propriétés, nous les positionnons dans le plan et nous modifions le matériau depuis la vue 3D. Nous complétons la modélisation en ajoutant quelques détails, tels que la bande de LED le long du périmètre interne du cabinet. Appliquons le matériau lumineux sur une extrusion et le mobilier.
Depuis la vue du rendu en temps réel, nous pouvons naviguer la maquette et avoir une perception réaliste de la conception. À partir du choix des matériaux, à la subdivision des espaces, jusqu'au choix du mobilier, en apportant, si nécessaire, des modifications en temps réel à la maquette. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, il y a les liens qui vous permettront de lire l'article, télécharger les fichiers du projet, la version d'essai d'Edificius avec laquelle vous pouvez ouvrir les fichiers et les diapositives introductives que nous avons vues au début de la vidéo. Je vous salue et vous remercie et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.